Bon, il est 4 h du matin, rebelote, on a l'impression de vivre dans un multiverse. Rebelote, départ pour les vacances, rendez-vous à l'aéroport, on part cette fois pour l'île Maurice et on va essayer de filmer le maximum. Ah, tête dans le cul, on essaye de se réveiller tout doucement et on va partir. Bon, j'ai menti. C'est pas le départ tout de suite, tout de suite. D'abord, c'est la dernière balade de la petite Gypsy là, pour qu'elle fasse sa crotte. Et puis après, on part 4 jours à l'île Maurice avec les beaux-parents. Donc ça va être drôle. Va falloir s'accrocher un petit peu quand même. Mais voilà, il y a un bon petit programme du catamaran, de la plage. Visite de marché, du shopping. Et voilà le programme. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Et on va essayer de faire ça jour par jour. Et là, on profite des dernières minutes avec ma petite gypsouille. Gypsy, viens voir. Regarde. Alors, mon bébé. Oh là, oui. Allez, c'est parti. Ah, ça tourne là. Oui. Bon ben voilà, on vient d'arriver à l'aéroport. Petit déjeuner. Voilà les accompagnants. On sait pas où on va, mais ça va être compliqué parce qu'il pleut, il paraît. Ouais. Et voilà, on se retrouve à l'île Maurice dans combien de temps? Dans une heure. Dans une heure. Okay. Une heure et demie. Non. À tout à l'heure. Allez, rendez-vous à Grand B dans quelques heures. À bientôt. Bien arrivé à l'île Maurice et déjà au bord de la piscine. Gros soleil, ça fait plaisir. Bon bah. Réveil deuxième jour à Maurice. Encore pas de chance. Il fait complètement gris. Dommage pour une île paradisiaque. Du coup, on va aujourd'hui aller à la capitale Port-Louis pour découvrir l'Inde. En attente des bus pour aller à Port-Louis. Voilà notre magnifique bus qui arrive. C'est parti. Oui, mais tout ça, Grand B. Les mythiques bus de Maurice. On peut y aller, Earn? Oui, Earn, on peut y aller. Ça va secouer un max. Ils sont tous serrés. C'est bien, ça bouge pas du tout. On roule à peu près à 120 km/h en pleine ville. C'est génial. Les stands de viande, de poisson. Là, on fait les stands de souvenirs. Et après, on va attaquer en bas, l'étage du bas, les stands de fruits et légumes et des épices. C'est un mélange d'odeurs, de sons, de bruits. On nous appelle de partout. Enfin, c'est assez fatigant comme visite. We'll be right back.
coup là on va au food court, c'est le paradis de la bouffe, c'est mon paradis et il y a tous les trucs à manger de Maurice. Pas mal quand même. Ils sont bien sucrés. Bon ben je pars à la recherche d'ananas coupé en sucette. Histoire qu'on se rafraîchisse un peu. Ça me fait une petite balade sur la plage. Et bon, on va essayer de trouver ça là. Ça va être pas mal comme apéro. Ah, la plage elle est magnifique. Tomber mes ananas. J'ai trouvé avec mon copain Paul qui me coupait les ananas. Là. Et j'ai réservé le resto aussi, le petit snack de bord de plage. Ça va être pas mal ça. Salade de poule, salade de poisson et citron, salade de marlin fumé avec ananas. Bol renversé spécial, poulet grillé, frites salade, burger de poulet frites. Petit spot sympa pour burger manger. Burger bœuf frites. Mine frit, poulet, œuf, crevette. Photo vidéo. Bon ben voilà le dernier bus de Maurice. Et c'est parti, il arrive. Allez, c'est parti. Oh, enculé de ta race. Allez. Dernier dalle pourrie du voyage. Tu me donnes tes impressions. Au fond. Alors, on va goûter ça. C'est validé. On va profiter parce qu'à la Réunion c'est 3 euros le dalle pourrie. Bon ben voilà, retour à la maison après 4 jours à Maurice. On retrouve la chaleur et on va surtout retrouver les petits animaux rapidement là. Il y a encore 45 minutes pour aller jusqu'à la voiture. Et puis ben voilà, les vacances se sont bien passées, c'était cool. Un peu farniente, un peu de découverte. Et voilà. Allez, à tout à l'heure. Oulala, Kala. Oh là là, les retrouvailles à la maison. Oulala, là là là. Et voilà le monstre. De retour à la maison. Ça fait du bien. Ouais, on est content d'être là. À bientôt pour de nouvelles aventures. Pour la vie.